Et je vais vous montrer comment je pêche avec la méthode feeder drainage. Un montage de cheveux bien simple avec un bledin flottant à la fin. Ce qui permet de tout flotter, d'être lousse. Puis après ça, je prends de la nourriture que j'ai pré-mélangée moi-même. Pour les recettes, on reviendra à un moment donné là-dessus. Fait que tout ce que je fais, ça c'est conçu pour recevoir la nourriture. Comme ça, quand je lance ça à l'eau, ben la motte se désagrège exactement où j'ai lancé. Puis ça permet aux carpes de se nourrir directement sur mon appât. Fait que quand on lance un peu loin du bord, c'est plus dur d'être très efficace sur le ciblage de notre bouffe. Et en plus de ça, on insère ça ici dans la motte. Ça donne ça comme ça dans l'eau. Puis ça flotte. Fait que la carpe soit qu'elle part directement avec ça, mais au contact de l'eau, ça se désagrège. Fait que la peau reste là et la carpe peut le manger. Là, c'est l'équivalent de lancer un plomb de 5-6 onces. Ça prend des cannes conçues pour ça. Ils sont capables de lancer. T'es mieux de reculer pour voir la belle shot. Et voilà, c'est de cette façon-là que je pêche aujourd'hui. La méthode feeder, drainage.